Number 20. Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tshisekedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tous vos tourments et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée, merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Guerre au Nord qui vue, les FARDC disent n'avoir reçu aucun ordre de cesser le feu. Les FARDC ont affirmé, mardi 12 décembre, n'avoir reçu aucun ordre hiérarchique au sujet de l'observation d'un cessez-le-feu dans le cadre des opérations en cours dans le Nord Kivu. Ce cessez-le-feu a été annoncé lundi 11 décembre. Pour le porte-parole du gouverneur militaire au Nord Kivu, les troupes restent en opération, aussi longtemps que l'ennemi occupe des territoires congolais. De leur côté, les rebelles du M23 ont, à travers un communiqué daté du mardi 12 décembre, d'y accueillir cet appel au cessez-le-feu. Ils ont par ailleurs accusé les FARDC de renforcer leurs troupes au niveau de Kibamba en vue d'une éventuelle attaque contre leur position.